Des casques avec une mauvaise qualité sonore ou un micro pas terrible, c'est malheureusement courant si on en croit ce test de Kassensturz réalisé dans le laboratoire Müller BBM à Munich avec 10 des casques d'ordinateur les plus vendus. Premier critère d'évaluation, la qualité sonore. Trois testeurs expérimentés ont analysé la qualité du son des écouteurs de chaque casque. Ils écoutent différents types de musique et testent l'intelligibilité de la parole. Pour la parole, dans l'idéal, il faut un son clair à large bande avec toutes les fréquences bien audibles. Mais voilà, certains casques testés ont un son plutôt étroit et terne. Pour les vidéoconférences et les longs appels, il faut un son naturel, bien audible et à large bande. C'est moins fatigant, un peu comme si l'interlocuteur était debout juste à côté de vous. On a aussi testé le confort de port. C'est un élément crucial lorsqu'on travaille de longues heures avec un casque. Il doit être confortablement installé sur la tête et les oreilles, être facile à régler et ne pas glisser. Or, plusieurs modèles s'avèrent inconfortables après seulement 30 minutes. Les casques de moins bonne qualité sont trop lâches sur la tête. Ils glissent lors des mouvements de la tête ou lors du réglage du micro. On a l'impression qu'ils ne s'adaptent jamais de façon optimale sur la tête. La mousse des oreillettes peut aussi devenir rugueuse ou elle chauffe sur les oreilles. Il y a enfin les casques qui serrent la tête après un port prolongé. Autre critère, le confort d'utilisation. Ici aussi, les casques sont clairement très différents. Ça va de certains casques qui ont l'affichage de la disponibilité, le contrôle de la musique, du volume des appels, jusqu'à des appareils qui n'ont aucune possibilité de contrôler quoi que ce soit. Les possibilités de connexion sont également différentes. USB, prise jack, Bluetooth. Il faut s'assurer lors de l'achat que la connexion est adaptée à votre ordinateur ou alors que l'adaptateur adéquat est fourni. Dans la pratique, la qualité d'une conversation dépend souvent de toutes petites différences de son. C'est ce qu'illustre cette petite scène jouée par le comique alémanique Beat Schlatter. Bonjour, ici Monsieur Bourrico, du département de la lutte contre le bruit. Oui, oui, restez calme. Qu'est-ce qui vous dérange exactement? Mais c'est un pfff ou un pfff. Non, 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 ce sont deux sons complètement différents. L'un est PFFFF et l'autre c'est PSSSS. En fonction de la qualité du micro, les sifflements seront plus ou moins audibles. Un point crucial pour l'intelligibilité d'une conversation. La qualité du son des microphones a été testée. Sur les appareils qui ont un son limité, les hautes fréquences ne sont pas très prononcées. Les « et « ne sont pas facilement identifiables. On réalise ensuite un test classique, avec une phrase qui contient des sons très différents. Dans une chambre anéchoïque, c'est-à-dire une chambre totalement insonorisée, la phrase est répétée en boucle en permanence. Simon Gerke l'enregistre ensuite avec les 10 microphones des casques. Pour la mesure acoustique, il utilise un analyseur audio pour comparer l'enregistrement vocal original avec la qualité de l'enregistrement fait avec le microphone. Avec son équipe de test, il évalue la qualité sonore de chaque enregistrement au moyen d'un casque témoin. On diffuse ensuite une ambiance en bruit de fond. On peut ainsi tester la qualité de filtrage des casques pour supprimer les bruits indésirables. Voici maintenant le classement final des 10 casques. On commence par les moins bons. Insuffisant, ce casque EPO Sennheiser acheté en ligne plus de 100 francs. Même si le micro est plutôt bon, c'est le moins bien noté en termes de confort et de facilité d'utilisation. Note globale médiocre, 3,9 sur 6. À peine mieux, jugé suffisant, ce casque Logitech H110. 22,95 francs, le moins cher du lot, mais une facilité d'utilisation médiocre. Note finale, 4,1 sur 6. Un dixième de mieux, 4,2 sur 6, pour le Vivanco Retro. Ici, c'est le son des écouteurs qui est déficient.
On trouve ensuite le EPO Sennheiser PC8 USB, jugé suffisant pour tous les critères, note globale 4,3. Un tout petit peu mieux pour le casque FreeVoice sans fil, 119 francs, mais un son de microphone jugé insuffisant. En cinquième position, le Microsoft Live Chat. C'est le meilleur au test de filtrage du bruit. Les écouteurs entourent bien l'oreille. Note finale, 4,6 sur 6. Viennent ensuite deux casques avec 4,7 sur 6. Le Polyplantronic, 159 francs. C'est le moins bon résultat pour ce qui est du son du micro. Même note pour le Logitech H600 Wireless. Là aussi, le son du micro est insuffisant. Par contre, c'est le meilleur pour ce qui est du confort. Enfin, les deux meilleurs casques sont à égalité de note finale, 4,9 sur 6. Ce sont deux casques de marque Jabra. D'abord, ce Evolve 65 Stéréo, le casque d'écoute est bon, le microphone seulement suffisant, c'est le plus cher du lot, 178 francs. Pour 100 francs de moins, le Jabra Evolve 40. Cette fois, le son du casque est jugé suffisant, celui du micro bon et le confort très bon.